Alors les amis, on est dans un endroit complètement fou, c'est du gros n'importe quoi ce qui m'est arrivé. On est dans les coulisses de le stream, c'est juste un truc de ouf. Vous allez venir avec moi, c'est n'importe quoi. Te rencontrer ici, c'est incroyable. Bah merci à toi, on va leur expliquer comment, mais tu m'as sauvé la vie. Bonjour à tous, mon dieu, incroyable, premier vlog de cette chaîne YouTube, c'est incroyable, mon dieu, premier vlog, et pas des moindres, attention, parce que c'est un vlog pour la PGW, donc oui, il est 6h55, et aujourd'hui, du coup, je pars en direction de Paris. Les cernes sont incroyables. Putain, j'ai Carlito. Il est où? On l'attend le Kim Dead, hein. Il est où? Touche ton cul, t'es filmé! Non! Arrête! Incroyable! Regardez-le! Regardez-le! Oh là 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 là! Ça finit dans le vlog, hein. J'annonce! Oh non! Oh là 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 là! Comment ça va, BG? Incroyable! Ça va, mon gros, c'est pas incroyable! Oh là là, c'est beau! Oh là là là! Et ce soir, ça finit dans le lit, ça! On est à la PGW, incroyable! Regardez ça, incroyable! C'est beau! Ça va être fou! Première fois à Paris, c'est fou! Putain, la luminosité, beaucoup! Ah voilà, incroyable, on adore trop. Enfin bref, on vous retrouve dedans, ça va être mieux. Hein, mais il y a une queue là, il y a une queue là. Ah c'est pas mal. Un mec là, une grosse queue. Moi j'aime la queue. Hein. We are in the PGW. Incroyable, mon dieu. Il y a personne. Hein. On a eu la rentrée du coup des youtubeurs. Ce qui est très très cool. On a rentré. On a mis, allez, 3 minutes. Parce que oui, hein, je suis armé, regardez, c'est incroyable. Du coup on va chercher les porte-badges et tout, ça va être fou. Enfin voilà. Non! Ton sac! Incroyable! Les amis, l'heure est grave! Allez! L'ordre arrive! Oh mon dieu! Oh mon dieu! J'ai peur! Cours! Cours! Mon dieu, cours! Courez! Salam! Bonjour à tous! T'as vu? Ça en fait, je t'ai pas dit, mais professionnel en fait. Ouf! Oh, il est bouillant. What was that? The QSS, hein. Ouais, alors là en fait, ils m'ont demandé de leur prêter ma voiture, du coup je l'emmenais. Hein. Voilà, l'argent de YouTube, bah, ça finit là. Voilà. Les gars, j'ai rencontré un petit youtubeur, il commence dans le métier. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, monsieur Guillaume. Enchanté, mon dieu, et première fois qu'on se voit. Et à mon avis, les gens ont mal entendu en demi-fond. Ouais, donc du coup, on va parler comme ça. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà, c'est incroyable. Il y a énormément de bruit, c'est n'importe quoi. Bon,
On est rentré de la PGW, jour 1, incroyable. Nous sommes chez cet homme, ici présent, qui est beau. Voilà, mariez-le. Bonjour à tous. Yes, bonjour. Let's go. Yes. Allez. Yes. Regardez, on fait des pâtes incroyables. Des magnifique pâtes. Voilà, hein, pas dedans hein. Du coup on va manger des pâtes, après on va sortir, on va être KO. Et puis finalement, demain on va comater hein, sur chaque jour de la PGW, ça va être... c'est terrible. Ça fait un peu un métro boulot dodo, mais en un peu plus stylé. Ouais, plus stylé, un peu plus cher aussi hein, mais... voilà. En tout cas, bon, j'espère que les images vous ont plu, les premières images incroyables. Nous, en attendant, incroyable. Je vais poser la caméra, hein, parce que hein, la caméra toute la journée, c'est un peu long. Allez, à plus. C'est moi qui l'ai tenu, enculé. N'importe quoi, imito. Ah, bon, jour 2 de la PGW. Ouais. Est-ce que t'es chaud, Thibaut? Moi, je décède, hein. Là, j'en ai marre. Et toi, Charles? On se lève trop tôt, c'est pas possible. Il est toujours pas allé, il en a marre. Aujourd'hui, tellement de choses à voir, on va voir les copains. En attendant, on va aller chercher du Red Bull, parce qu'on est très fatigué. On est très fatigué. Non, franchement, si j'étais sponsor par Red Bull, bah franchement, je serais content. Du coup, on sort de métro, on a testé le jeu et franchement, on a été agréablement surpris. C'est un très très beau jeu. On a pu tester une partie, en fait, un court instant, à peu près 15 minutes, dans lequel on devait un peu s'introduire dans un espèce de village où écoutez, il y avait des brigands et c'était fort sympa parce qu'on n'était pas obligé de les tuer. On pouvait passer totalement sneaky, faire des choix différents. Même au tout début, on voit quelqu'un qui se fait manger par un loup, en fait, qui se fait attaquer par un loup, et on peut totalement ou le laisser mourir à cause du loup, ou justement le tuer le loup et aller l'aider pour pour que ça soit un ami et qui vienne nous aider justement pour le village qui est juste après. Comme Charles me l'a dit juste avant, justement, il s'est fait attaquer par un de ces loups et il s'est fait attaquer à la gorge, il y a eu des QTE, donc c'est franchement très très sympa. On a pu tester le jeu du coup sur console, sur Xbox One. Il est très très beau, il y a énormément de choix au niveau des armes, de la customisation au niveau des armes, c'est quelque chose de fou. Et si franchement vous aimez les jeux comme Fallout, par exemple Fallout 4, je vous le conseille énormément, surtout que là ils sont partis un peu dans l'esprit vraiment jeu, un peu abandonné au niveau des zones et tout, et c'est hyper intéressant. On peut voir que le monde est vraiment vivant parce qu'il y a tout qui tourne autour de nous. Même je suis pas sûr à ce niveau là de cette information, mais je crois qu'il y a un cycle de jour et de nuit et c'est franchement fou. On a aussi de l'équipement, donc on a une petite lumière bleue au bracelet pour nous dire si on est repéré par les amis ou autre, et franchement c'est très très sympa. Ça change des différents aspects des jeux vidéo qu'on a pu voir et franchement c'est très 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 cool. Donc moi personnellement je pars sur un gros oui, je pense me l'acheter, peut-être le faire sur la chaîne carrément parce que ça a été un gros coup de cœur. Et en tout cas on va continuer de faire le tour de cette PGW et on se retrouve. La check et tout, c'est le frérot ça. Oh, 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 bienvenue à l'auberge avec mon ami Glilian qui est venu des terres de je ne sais pas où
Tandis que mon garde du corps est là, Romain est à côté, donc il fait bien attention à ce qu'on dit. Bah, Gillian, il est venu, c'est un grand joueur de Stone, grand joueur de plein de jeux. Il n'a jamais gagné une fois, jamais, jamais. Et ça, vraiment, c'est une sorte de... Un boulet, mais il a la sympathie pour lui. Donc, on va arrêter de parler comme ça. Donc, c'est Pierre Ngarig et Gillian. Donc, les potes, voilà, on est à la Paris Games Week et... Je peux te dire qu'il n'y a aucun bruit. C'est zen, d'une zénerie. C'est très bien. Il n'y a aucun bruit. Donc voilà. Non, en fait, c'est cacophonie totale. Bon, alors, au revoir tout le monde. Portez-vous bien, soyez forts. Et n'oubliez pas le vieux proverbe qui dit « Chantons le bœuf en aube de minuit jusqu'à l'aube !» Alors, on a volé la caméra de Gillian. Donc... on va pouvoir s'en aller avec pendant qu'ils testent des jeux. Voilà, nous on attend. C'est super chiant. Bon, du coup, on sort de Life is Strange 2. On a pu tester l'épisode 1 qui est déjà sorti sur Steam. Très très sympa, toujours la même ambiance. On reste dans une ambiance très posée, une toute nouvelle histoire du coup. Pour le peu qu'on y a joué, on gère un adolescent mexicain très sympathique et une amie très très sympa. Franchement, on a vu quelques petites choses qui sont très très cool pour le jeu. Il y a toujours bien sûr les choix qui influencent au fur et à mesure du temps. Hein, toujours, même au début, on peut choisir si on veut fumer ou non, tout dépend en fait, hein. C'est vraiment comme le jeu de base. Donc franchement, si vous avez aimé le premier jeu, je vous le conseille énormément. En tout cas, écoutez, moi je vais rester encore près du feu et puis on va se balader encore après. Alors les amis, on est dans un endroit complètement fou, c'est du gros n'importe quoi ce qui m'est arrivé. Les amis, vous allez voir, on est dans les coulisses de le stream, c'est juste un truc de ouf. Vous allez venir avec moi, c'est n'importe quoi. Donc j'ai prêté ma caméra au grand et magnifique Skyheart qui m'a invité du coup à venir dans les coulisses de le stream. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Alors je ne connais rien du tout, c'est gros n'importe quoi. Et du coup venez avec moi, c'est ouf. Merci à toi, on va leur expliquer comment, mais tu m'as sauvé la vie. Ouais, c'est ça. Alors, en gros, tu avais envoyé un tweet comme quoi tu n'avais pas de caméra, en fait. Exact. Ouais, je suis parti, j'avais oublié ma caméra chez moi. Et c'est le boss, donc abonnez-vous à sa chaîne parce qu'il m'a sauvé la mise. C'est gentil. Non, vraiment, t'as été super, ta caméra en plus, elle est super. C'est une caméra très utilisée et c'est une des plus pratiques, je pense. Et du coup, bah merci, franchement, tu m'as vraiment sauvé, j'insiste, mais abonnez-vous x2, quoi. Abonnez-vous sur deux comptes, les gars, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est cool. Et du coup, il a pu me rejoindre dans les backstage là de le stream. Ouais, donc on est à le stream parce que j'ai fait mal de trucs pour le stream. Il m'a rejoint aussi dans les backstage de Fortnite. T'es rentré partout. T'es rentré partout. Regarde les bracelets et tout, incroyable. Full accès partout. C'est fou. Merci à toi en tout cas. Bah merci beaucoup et j'espère que en tout cas sa vidéo sur la PGW, les gars, regardez-la parce que ça va être du lourd. Allez go. Et voilà, c'est une fin de PGW, incroyable, 3 jours de folie, hein, dis donc. On est arrivé je suis arrivé jeudi, vendredi, samedi, dimanche, incroyable. On a vu énormément de choses, on a vu les copains, on a vu Skyheart comme vous avez pu voir. On est allé au stand de chez Fortnite, hein, un endroit complètement interdit quand on est... des petits youtubeurs comme nous, hein, on va pas se le cacher. Et franchement, c'était très très sympa. Comme vous avez pu voir, j'ai rencontré aussi Pierre-Alain de Garrig, la voix française de l'ancien aubergiste de Hearthstone, qui est très très gentil. Ça m'a fait vraiment plaisir de rencontrer ce beau monde. En tout cas, les amis, je pense qu'on va sûrement se donner rendez-vous pour l'année prochaine, hein, bien sûr, à cette PGW. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve très très bientôt pour plein de vidéos incroyables. Les 100 000 abonnés arrivent. On se dit à très très bientôt. C'était Gillian. Allez, bye tout le monde.
tête de tir. Ouais,